Salut tout le monde, c'est DBStory. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle pour le test du Vegito Blue LR 100% SP20 qui, comme je vous rappelle, donne voilà cette carte qui est magnifique, qui donne Ki plus 2, Ki plus 3 PV attaque et défense plus 70% pour la classe super. Donc il inflige des dégâts gigantesques à l'ennemi et attaque et défense personnelle plus 80% plus les PV restants sont bas en gros. Et plus le ki il augmente jusqu'à 10, donc il a 14 en coup critique et 12 en attaque supplémentaire. Donc il rentre dans la catégorie Potara, donc qui est la catégorie avec tous ceux qui ont une boucle d'oreille. Et divin, donc tous les dieux, tous ceux qui ont instinct, qui sont des dieux, genre Beerus, Whis, Goku, Vegeta, Zamasu. Voilà, donc tous les dieux, vraiment tous les dieux. Donc du coup... Voilà, donc là, du coup, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, ceci n'est pas un gameplay, mais je vous montre juste le test en fond pour que vous voyez combien de dégâts le Vegito Blue LR 100% SP20 maintenant peut taper. Donc, j'ai réussi à le SP20 grâce au Tenkaichi Budokai car je suis. J'ai atteint les 30 millions de points, donc du coup. Ah, attendez, donc là je prends une P. Donc là vous avez vu, j'ai pris que 36 et 91, donc c'est vraiment excellent. Donc comme je disais, j'avais gagné 5 vieux Kai, donc du coup j'en avais déjà gardé 5 de côté, et du coup j'ai pu le SP20 en gros. Donc c'est aussi simple que ça. Donc là il part en SP ultime. Donc vous allez voir durant ce test, le Vegito Blue LR 100% SP20 est vraiment excellent. Donc là je prends une P. Donc là je me suis pris 23, mais il part à 1 million 9 quand même. C'est vraiment incroyable pour une unité free to play, je vous rappelle. Donc un petit 800 000, ainsi que l'attaque supplémentaire qui fait plaisir. Alors je me rappelle plus, il avait mis combien? Ah ouais, 2 millions 5. 2 millions 5, c'est vraiment incroyable pour une unité free to play. Une unité free to play, donc là je vais partir au maximum de ses capacités. Là j'ai pris toutes les boules puissance que j'ai vu, donc là, il part à 2 millions 2. C'est vraiment un vrai monstre, c'est vraiment une excellente unité. Donc là il tape du 1 million, ok, en mauvais type c'est vraiment pas mal du tout. Donc là j'avais réussi à le faire partir en ultime, je sais plus vraiment il avait tapé combien, il avait crit ou pas, donc on va voir ça maintenant. Alors, ok, ah ouais, 3 millions 8, c'est vrai, j'avais oublié. Et en plus une attaque haute, une auto attaque à 800 000, c'est incroyable. Il part même pas en SP la deuxième attaque et il met un 800 000, c'est vraiment oufissime. Donc vous avez vu, pour l'instant, son test là, il est vraiment incroyable. Donc moi, je vous recommande vivement de le mettre LR 100% P20. N'attendez pas... Enfin, mettez des vieux Kai, hein, vous en fichez. Hein, le deuxième exemplaire qui est chez Baba, il vous servira, donc là 1 400 000, il vous servira à monter le Vegito SSR en TUR pour, parce qu'il a des bons liens à côté du Vegito Blue LR. Donc en gros la version, vous pourrez avoir la version TUR et le LR. Donc c'est vraiment, ils ont vraiment beaucoup plus de liens et beaucoup plus de liens d'attaque ensemble. Donc c'est vraiment excellent. Donc là le Vegito Blue LR 100% P20 il part en Dokkan mode. Je sais plus il avait tapé combien, donc on va voir ça. Il me semble qu'il n'avait pas critique. Il n'avait pas critique, il me semble. Je crois qu'il avait fait un 4 millions, si je me rappelle bien. Oh, 4 millions, c'est vrai. Vous avez vu, c'est vraiment une excellente unité que je vous recommande vivement de mettre 100%. Et ne montez pas le le deuxième Vegito de chez Baba, Speedy 100. Et non pas avec des vieux Kai, mais avec le Vegito farmable dans l'événement Vegito Endurance. Donc voilà. Donc là,
Ah ouais, 4 millions! 4 millions en critiques! C'est vraiment dingue! C'est vraiment dingue! C'est vraiment un monstre! Je suis vraiment content de l'avoir eu! Et surtout de l'avoir mis P20, hein. C'est ça le plus important! Parce que grâce à ça, j'ai pu faire le Battle Road! Donc dans une prochaine vidéo, quand j'aurai speedy le Gohan, je vous ferai son test! Mais grâce à LVG Tobu, j'ai réussi à SP20, j'ai réussi à écraser le Battle Road Extreme Endurance. Donc voilà. Donc là, 9, hein. Ok. Ça fera 2 millions. Sachant que là, vous voyez partir 2 millions 8, alors que le Black Goku Tech, il a une barrière. C'est vraiment pas mal. Mais comme je vous le disais, je sais même plus ce que je disais. Ah oui, que en gros le Vegeto Blue LR, en gros, là son test, là pour l'instant il a pas encore stacké. Il a pas vraiment stacké, donc là il a mis un 2 millions 7 sans critique, hein, c'est vraiment excellent. Et là comme je vous l'ai dit, il a vraiment pas stacké, mais dans une prochaine vidéo qui va arriver. Pas longtemps après elle, je vous montrerai le test du quand il stack sur le Zamasu qui ne meurt pas en gros, qui a 9999999 de PV. Voilà. Donc là il a one shot le Black Goku première phase, ok. Enfin deuxième phase. Alors. Là il me semble qu'il avait tapé un 5 millions. Il me semble, hein. Et je crois qu'il avait sorti un 5 millions dans le plus grand des calmes. Ah non, parce qu'en fait là c'est sur la phase intelligence. Mais à la fin de la vidéo je vous mettrai un bonus. Deux bonus. Un en Dokkan mode pour voir ses dégâts en Dokkan mode sur le bon type. Sans un perso et une barrière, combien il peut taper. Donc là il a tapé un 3 millions quand même. À sa première P quand même. Et l'autre bonus, ce sera le critique sans Dokkan mode, juste sur le bon type, en speedy maximum. Donc voilà, vous verrez ça à la fin de la vidéo. Donc voilà. Alors, donc là, je partais en Dokkan mode sur le Celtec. Donc là, honnêtement, je me rappelais vraiment plus de combien de dégâts il avait fait, sachant que j'en avais fail une. Donc on va voir ça maintenant, combien il va taper. Il me semble que c'était du 5 millions si je me souviens bien. 5 millions sur le mauvais type, enfin sur le type neutre. On va voir, attaque générale. Ok, donc ouais, j'avais bien raison, 5 millions sauf qu'il n'avait pas critique. Donc imaginez avec le critique combien il va taper. C'est vraiment un monstre. Alors, là c'est parfait parce qu'il s'était régénéré tous ses points de vie. Du coup, on va voir si on peut le one-shot, mais sûrement que oui. Il me semble qu'on l'a one-shot, hein, même avec la première spé. Même pas avec la spé ultime. Oui, donc comme vous pouvez le voir, avec la première spé, 2 millions 6. Donc c'est vraiment possible de one-shot avec la première spé un boss. Ça c'est vraiment incroyable, sachant que c'est même pas sur le bon type, hein, donc vraiment incroyable, hein, 2 millions 5 alors que c'est sa première P. Voilà, c'est vraiment incroyable. Là 1 million 6, hein, n'oubliez pas qu'il y a des boss qui ont des barrières, comme le Black Goku, il a tapé du 2 millions 8 sur un perso et il y a une grosse barrière, une très grosse barrière. Et sinon je pense qu'il aurait atteint les 8 millions hein, en critique. Donc vous verrez tout ça dans le bonus, hein, combien il a tapé. C'est vraiment incroyable, mais vraiment incroyable pour une unité free to play. Donc voilà. 1 million 6, ok. Donc là oui, on va voir. Moi je sais déjà
qui va se passer. Mais vous allez voir, est-ce qu'il va le one shot ou pas, le Vegeta. Et oui, il a one shot le Vegeta Intelligence. Donc là, comme je vous ai dit, c'est sur la partie bonus. Donc en tout cas, c'est sur ces bonus que cette vidéo va se conclure. Donc merci encore d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune autre vidéo. Merci encore de l'avoir regardé. Et puis si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu des familles pour soutenir ma chaîne. Donc là, je vous laisse avec le petit bonus. Les petits bonus. Donc là, le 5 4 millions qui vient de tomber. Et le deuxième bonus en Dokkan mode au maximum. Donc voilà. Donc là. Alors. Dokkan mode activé. Il me semble que j'avais pas raté. Hein, que j'avais raté aucune boule. Ok. Donc j'ai pas raté de boule. Ça c'est vraiment excellent. Alors. Donc là, moi les dégâts, je les connais déjà. Hein, ceux-là. Vous allez voir, c'est ouf, hein. C'est vraiment ouf, hein, pour une unité free-to-play et sans stacker, hein, sans avoir augmenté mon attaque et ma défense. Regardez combien il a tapé. 11 millions. Let's go.